passer la parole à Idriss Khouraïch, à côté de moi, donc qui est ministre plénipotentiaire en retraite, mais qui est aussi docteur d'État en relations internationales et fondateur et membre de la Fédération mondiale pour l'éthique des relations internationales. Donc il va nous parler du vivre ensemble et de relations internationales avec sa grande expérience dans le domaine de la diplomatie internationale à travers le monde et depuis de nombreuses années. Il va nous donner un panorama, je pense, historique de ces relations internationales et comment elles participent ou elles interviennent dans le vivre ensemble. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cheikh Khalid, chers frères et sœurs, c'est avec une immense fierté et un grand honneur que j'exprime ma gratitude et ma joie d'être ce jour avec vous dans cette enceinte, je dirais bien privilégiée, pour un échange d'idées et pour débattre des préoccupations cruciales qui tourmentent l'humanité d'aujourd'hui et de déterminer les approches alternatives au statu quo régnant. C'est une grande opportunité pour nous pour baser sur le référentiel humain commun, pour garder éveillée la conscience mutuelle pour une meilleure coexistence entre les êtres humains, pour vivre ensemble en paix. L'Assemblée générale de l'ONU a réaffirmé sa détermination totale à accompagner notre noble initiative en adoptant le 8 décembre 2017 la résolution instituant la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Nous sommes extrêmement heureux et croyons que cette résolution constitue une base solide pour construire l'avenir. Nous nous félicitons donc de cette contribution concrète onusienne qui avait un seul visage, une seule volonté et une voix. Ce d'une personnalité spirituelle exceptionnelle, notre cher Khalid, qui a pris un chemin, un seul chemin, celui de la paix. Cette résolution illustre le caractère visionnaire de sa pensée, issu de son fort intérieur et de son cœur, traduisant ainsi l'enseignement spirituel du soufisme comme une source de lumière et d'inspiration fructueuse et productrice pour la réalisation d'une vie imprégnée de beauté et de paix. Et nous a montré que le soufisme tend en permanence à enraciner l'union entre les êtres humains. Merci bien, cher Khalid. Que peut nous apporter ce concept de vivre ensemble à une époque marquée par de transformations radicales dues à cette vague de mondialisation prévoyant des changements profonds dans nos modes de vie allant jusqu'à la rupture avec nos valeurs et transformant l'humanité en un homme numérique. Quelle est l'utilité du recours à la source spirituelle du concept vivre ensemble dans un contexte universel profondément
souffrons de multiples crises graves et complexes qui menacent la disparition de l'univers en raison de la détérioration du système de valeurs en faveur de l'alimentation des caprices de la pensée de l'extrémisme, de l'exclusion et du terrorisme. Nous sommes donc dans un monde extrêmement inquiétant. Depuis le traité de Westphalie en 1648, qui ont mis fin à la guerre de 30 ans, en établissant un ordre mondial basé sur la souveraineté des États-nations, garanti par les principes de non-ingérence et de non-recours à la force comme socle de droit international, les relations internationales, malgré d'énormes efforts déployés, sont traversées par des crises de tous ordres, des conflits, des guerres désastreuses, la guerre froide, la compétition bipolaire, la course aux armements, les problèmes d'environnement et enfin le terrorisme. Le souci prioritaire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de maintenir la paix et la sécurité internationale, est illustré comme un rêve par les pères fondateurs de la charte onisienne de San Francisco du 26 juin 1945. Ce souci, 72 ans plus tard, est toujours le nôtre. Le maintien de la paix et de la sécurité est devenu un enjeu complexe encore avec la montée du terrorisme qui mine nos sociétés et déstabilise nos nations. Sachant que nous vivons actuellement 9 jours de paix par an. 9 jours de paix par an. La conception, la charte onisienne et sa conception idéale, basée sur l'irréductible humain, est avant tout une charte de nos valeurs et le socle de notre action. Son préambule est l'énoncé d'une mission plus humaine, la plus humaine et la plus ambitieuse. Pourquoi ce rêve de paix et d'unité ne s'est pas encore réalisé? En d'autres termes, pourquoi cette faille? Pourquoi ce dysfonctionnement? Quelque chose ne fonctionne vraiment pas. La situation est toute différente dans la pratique qui présente des contradictions entre les principes affirmés dans la charte et leur mise en œuvre. Et en même temps, l'ONU reste un facteur essentiel des relations internationales contemporaines et le cadre indispensable de la vie multilatérale internationale. Est ainsi posé le débat sur l'adéquation du système onisien tel que défini en 1945 avec les menaces à la paix et à la sécurité internationale du 21e siècle. Mais à un moment où une réforme profonde de l'ONU est en discussion, je reste personnellement convaincu que la meilleure protection contre ces paradoxes souvent violents de notre époque restera la production de nouvelles règles collectives de nature à créer des cultures de paix. Les relations internationales ne doivent plus se comprendre exclusivement comme des rapports de force. La paix juste dont je me suis inscrit, la paix juste à laquelle je crois, plaide en faveur d'une moralisation des relations internationales. Cette moralisation n'est plus une simple illusion. L'éthique, actuellement, occupe désormais une place importante
dans l'analyse des enjeux globaux. Ma conviction globale, depuis mon enfance à ce jour, c'est que l'ONU a absolument besoin d'hommes et de femmes de foi. L'ONU a besoin d'un instrument de foi qui s'inspire de ce qui unit plutôt que de ce qui divise. La mise en œuvre de cette approche passe nécessairement par l'introduction de la diplomatie spirituelle en tant que nouvelle forme géopolitique et une tendance efficace qui pourrait être considérée comme alternative. Je répète, comme alternative, parce que c'est l'ultime moyen de sauver ce qu'on peut sauver. De par le monde, j'ai milité et depuis des années, et j'ai lancé un appel en tant que diplomate à spiritualiser la diplomatie. La spiritualité peut réussir là où échoue la politique. Il peut apaiser les tensions et rassembler autour des valeurs communes, les valeurs de vivre ensemble. Avec la chute du mur de Berlin, on a eu une éclosion des conflits ethniques et on a pu constater que la réconciliation spirituelle se prêtait mieux au traitement des conflits identitaires. En d'autres termes, la spiritualité est un chemin de paix. C'est être en paix avec soi, avec les autres et avec la nature. Cela est encore vrai malgré la grande diversité des pratiques spirituelles et religieuses, nous restons sur le fond attachés à des valeurs universelles communes dans la logique exprimant une belle diversité dans l'unité et une belle unité dans la diversité. Ces valeurs qui ne font pas partie des compétences, ils ne sont pas des compétences, sont enracinées dans l'esprit humain et ancrées dans le droit international. Elles imprègnent la charte et inspirent notre recherche de l'harmonie et de la paix. La source de ces valeurs réside dans la croyance. Que ce soit dans la croyance idéologique ou dans la croyance spirituelle, religieuse, c'est-à-dire la croyance en Dieu. La différence entre ces deux sources de valeurs réside dans le fait que les valeurs issues de la croyance idéologique se disparaissent avec la disparition de cette idéologie. L'exemple, l'idéologie socialiste, l'URSS. Après la chute de l'URSS, c'est vrai, moi j'ai vécu pendant presque 35 ans en Europe de l'Est. J'ai fait toute ma carrière dans cette région. J'ai vécu avant et pendant et après la chute du système, après la chute du mur de Berlin. La cause principale dont on ne parle pas, M. Mikhail Gorbatchev me l'a dit en 1999, personnellement, c'est le manque et l'absence du sacré. Parce que le système socialiste a été imposé dans un pays très attaché à l'Église orthodoxe, dans un pays féodal, dans un pays là où il régnait le tsar et la religion orthodoxe. Le tsar était sacré comme représentant du Dieu dans la région. Donc cette absence du sacré était
la cause principale de la chute du RCS. Cette chute, et c'est terminé. Je dirais bien dans l'éthique, sans guerre civile, sans conflit, sans rien du tout. Les gens étaient soif de retourner à l'église, de retourner au synagogue, de retourner à la mosquée. Donc, ces valeurs, la source de ces valeurs réside dans la croyance. La croyance en Dieu, c'est éternel. Et ça se réalise et ça se concrétise sur ordre divin. Ça, c'est très important. Ces valeurs sont éternelles. Parce que c'est bien Dieu qui a donné sa dignité à l'être humain. Aussi, les gens ignorent tout ceci, malheureusement, ou sont complètement indifférents parce qu'ils vivent dans une autre logique, une logique mathématique du calcul et des chiffres. En réalité, le message principal de tous les prophètes a toujours été que ceux qui auront cru en Dieu et accompli de bonnes œuvres seront récompensés. Dieu dit non. Mais quiconque soumet Allah son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, ils ne seront point affligés. Bella, men aslama wajhahu lillah, wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, wa la khawfa 'alayhim, wa la hum yahzanun. Dans ce contexte, une simple synthèse de l'avènement de l'islam nous montre que la conception « vivre ensemble » réside dans notre relation à la fois avec Dieu et avec les gens dans notre communauté. Ma conviction constante est que Seyyidina Nuh, Seyyidina Abraham, Seyyidina Moussa, Seyyidina Isa, Seyyidina Isa, Jésus, salam alayhi wa sallam, ou Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont porteurs tous du même message de nos valeurs universelles communes. Seyyidina Nuh, croyance en Dieu et bienfaisance envers les parents. Croyance en Dieu, verticale et horizontale, les parents. C'est d'Abraham, croyance en Dieu, et au dernier jour, et obéissance de son fils, c'est Ismaël. C'est de Moussa, les 10 commandements. Jésus, c'est de Isa, Saint-Esprit, égalité 3. Évolution, esprit humain. Pour arriver à Seyyidina Muhammad, dernier prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, trois chemins. Trois chemins, c'est les 10 recommandations du Seyyidina Moussa, les 10 commandements, plus les 4, vous ont interdit vos mères et vos filles, et ainsi de suite. Donc, le trois chemins, c'est l'uridictisme humain. Le Coran, dernière révélation de Dieu, est basé sur les valeurs de la bonne moralité, de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, de la tolérance et de la paix. Dieu a qualifié notre prophète, Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Et tu es certes d'une moralité éminente. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. » En disant aussi que et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Donc, l'islam, c'est, je
dirais bien, c'est la religion acceptée par Dieu qui rassemble tous nos prophètes et tous nos compétitions. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a résumé sa mission en deux mots, en disant « J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. » La moralité est l'une des sources fondamentales de la force d'une nation, comme l'immoralité est la première des causes du déclin de cette nation. Les caractéristiques principales de l'islam, sa considération de la dimension humaine et son respect de la diversité et des différences naturelles entre les êtres humains. Ô homme, voilà le verset qui constitue la base des relations internationales islamiques. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus afin de vous connaître mutuellement. L'islam appelle les hommes à se connaître et à œuvrer pour le dialogue et la coopération entre les peuples et les nations pour garantir la paix dans le monde. L'islam appelle à l'honnêteté et au respect des engagements, ce qui manque dans nos relations internationales actuellement. Interdit la trahison et la tromperie. L'islam reconnaît les principes du système démocratique fondé sur la liberté de choisir ses institutions politiques et sur le respect du pluralisme. L'islam appelle à la consolidation des valeurs d'entente, de paix et de bien-être et le renforcement des valeurs de modération, loin de tout extrémisme et de toute marginalisation. L'islam est un mode de vie complet et la moralité est sa pierre angulaire. Les principes conformément à la bonne compréhension de l'islam qui s'inscrit dans une acceptation consensuelle et prenant en considération l'environnement contemporain et ses spécificités. Compréhension qui exprime l'essence même de l'islam, le juste milieu. J'appelle à cette occasion et de cette tribune, je lance un appel solennel à nos érudits religieux, à nos politologues, de s'inspirer de cette dimension humaine de l'islam et à suivre les temps, et à donner des solutions alternatives et non se refermer autour des jugements rigides. Pour répondre clairement aux problèmes de l'humanité, c'est ce que Cheikh a bien souligné dans son livre « Le sophisme corps de l'islam », pour répondre clairement aux problèmes de l'humanité, si j'apporte des réponses du Moyen-Âge, ils ne seront pas adaptés à mon époque. C'est à nous de trouver ce qui va permettre à l'homme de vivre en harmonie, en conformité avec son temps, et non en contradiction avec son temps. Il faut revenir à la source constante de cette religion, comme si nous voulions boire de l'eau pure, nous devrions aller aux sources. En réalité, ce que je propose, ce n'est pas de se laisser guider par les ambitions, mais par des valeurs et des intérêts communs. Inspiré par les valeurs spirituelles, la charte, vivre ensemble, je dis bien la charte parce qu'il a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU, et il fait à partir du 8 décembre dernier, fait partie de la charte de l'ONU. Donc je dis bien la charte vivre ensemble. C'est la vie. Si vivre en harmonie, vivre dans le partage, l'amour, la joie et la solidarité, si vivre une belle humanité, vivre ensemble permet de nous rappeler une vérité essentielle. Nous partageons tous la même humanité. Donc, c'est un patrimoine à préserver.
Avec l'adoption de la Journée internationale de vivre ensemble en paix, les choses sérieuses vont commencer à partir de ce jour, en vue de sa concrétisation sur le terrain, dans le but de rapprocher les humains en quête de paix. Il est urgent donc d'adopter un comportement humain responsable, aussi bien avec nous-mêmes qu'avec les autres, pour incarner les valeurs universelles communes de vivre ensemble. Merci beaucoup de votre attention.